sitte mi keya pamba pamba uye papata punya uyu izanga tina izanya salita izanya salita baboya bazwa zero temene se bomisa ba komo ya lobby jangas basitte ya pamba 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 tuzoko kona bango basitte ya chana 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 tuzoko kona bango Vraiment, comme vous le savez, en toute négociation, il y a toujours des prérequis, notamment la validation des mandats des délégués qui doivent assister aux assises et se mettre d'accord sur la méthodologie de travail. Et je crois que c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous sommes quand même mis d'accord. Et cet épineux problème de validation des mandats nous a un peu pris du temps. Nous avons pu régler ça en grande personne et nous nous sommes mis d'accord sur la méthodologie où on a bien identifié le problème. Il y aura 3 commissions qui vont travailler et la 4e commission va servir de rédaction du texte final. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la délégation du MLC? Il me semble qu'on s'accuse de rassemblement. Notre problème. Non, mais pas été juste je ne suis pas vraiment appelé à épiloguer là-dessus. D'autant plus que c'est un problème interne que nous allons régler. Je crois que nous ne pouvons pas parler de ça, étant donné que les discussions continuent et on va valider le mandat la séance prochaine. Aviez-vous exigé la libération des prisonniers? Mais je pense que ça, c'est notre préalable de tous les temps. Vous nous avez demandé d'être là et on va discuter à l'interne. Nous n'avons pas dérogé à la règle. Mais le cas de Moïse Katumbi, vous avez débuté sans lui. Est-ce qu'il y a une liberté? J'ai donné la réponse à cette question. Nous sommes déjà dedans et toutes les questions seront débattues. Nous n'avons pas dérogé à la règle. Je vous dis, le rassemblement ne dérogera jamais à la règle. Dû suspendre des travaux parce que Monseigneur Fridolin Afonso, comme vous le savez, a été nommé archevêque. Et donc, c'est le contraire de la Cinco vont aller venir dans cet événement. Et pendant ce temps, nous mettrons le temps qui reste à profit pour échanger les documents et arriver au même niveau, au même diapason de la conférence. C'est votre premier jour aujourd'hui. Et quelles sont les impressions pour vous cette première journée? Je reste optimiste. Maintenant, c'est la suite qui le touche pas. Je reste optimiste et nous sommes là pour, comme je l'ai dit, pour les grands principes, respect de la Constitution, mais aussi surtout faire plaisir au peuple congolais qui attend de ça. Sitte mi keya pamba pamba uye papata punya uyu izanga tina izanya salita baboya bazwa zero